Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée Chronique d'Afrique. Aujourd'hui, on se tape note d'une nouvelle information du côté du Niger. Niamey, 26 août. Le cadre de la célébration des 30 jours de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'organisation de masse pour le patriotisme, l'ancrage de la citoyenneté et pour le travail, a organisé un grand meeting avec sous thème 1 million de personnes avec le drapeau du Niger au stade général Sékou Konté de Niamey. L'objectif de ce meeting est de célébrer les 30 jours au pouvoir du CNPS. À cet effet, plusieurs personnes ont répondu présentes à cet appel de mobilisation. Les membres du CNPS ont aussi pris part à ce meeting. À cette occasion, le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts, a pris la parole pour remercier les organisateurs et les participants au nom du général de la brigade Abdourahmane Tchiani, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes là, il nous a demandé de vous adresser ses sincères salutations et il vous exhorte à rester mobilisés. La bataille ne fait que commencer. La victoire du peuple, c'est le peuple nigérien qui va décider de ce qui va venir de ce pays-là, a déclaré le colonel-major Abdourahmane Amadou, pour qui, tous unis, nous vaincrons. Le secrétaire général Moussa Garba du Compact Niger a remis une lettre de recommandation à transmettre au général Abdourahmane Tchiani. Restez toujours pour ton commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.